La BCE a décidé de laisser les taux inchangés et Mario Draghi a fait noter qu'ils vont prendre la décision par rapport à la nécessité de prendre plus de mesures afin de raviver l'économie de la zone euro au début de l'année prochaine. Peter van den Voet d'ING me rejoint par téléphone pour discuter. Peter, les investisseurs s'attendent à l'annonce sur l'assouplissement quantitatif. Mario Draghi en a beaucoup parlé ces derniers temps, en soulignant même que la décision ne devait pas forcément être votée à l'unanimité. Pourtant, ça ne va pas arriver aussitôt que prévu par tout le monde. À votre avis, la BCE cherche-t-elle à éviter le risque politique? Croyez-vous qu'ils vont être forcés de prendre des mesures quelconques assez bientôt? En ce qui concerne le conseil d'administration, il faut dire qu'il n'y a pas d'unanimité en ce moment. Il y a même beaucoup de points de discorde, surtout avec l'Allemagne. Il est important de noter que Sabine Leutenschläger, qui est un membre du comité exécutif de la BCE, s'est prononcée très clairement contre le QI la semaine passée. Il existe quand même des défis politiques à relever. Dans le même temps, la Banque centrale européenne a besoin de plus d'informations sur l'effet de leurs mesures précédentes. En particulier, il y aura un autre LTRO ce mois-ci. Je pense qu'ils vont tout d'abord vouloir comprendre ce que ça donne comme impact sur leur balance commerciale avant de prendre la décision finale par rapport à la nécessité des mesures supplémentaires. Cependant, je trouve que la question politique reste très difficile à gérer pour la BCE. Le nouveau LTRO sera-t-il réussi à votre avis? Le résultat du premier LTRO a été décevant car il a été considérablement inférieur aux attentes consensuelles. Je pense que maintenant il faudrait s'attendre au montant approximatif entre 150 et 200 milliards mais pas plus. S'il s'avère inférieur, ce sera sûrement la raison pour laquelle la BCE serait encline à annoncer le QI en janvier. Si ce montant dépasse les 200 milliards, la BCE préférera peut-être attendre un peu plus longtemps avant de procéder aux mesures de relance. Peter, que pensez-vous des commentaires de Draghi concernant l'inflation? En fait, Mario Draghi a rabaissé les attentes vis-à-vis de l'inflation. Ses prévisions de croissance ont été plus ou moins anticipées. La seule surprise, c'était leur abstention de toute action. Même les prévisions d'inflation pour 2016 ont été rabaissées à 1,4%, ce qui est très loin de la cible fixée par la Banque centrale européenne. Même dans ce contexte, aucune action n'a été prise. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que Mario Draghi a fait noter à plusieurs reprises que la Banque centrale européenne avait l'intention de respecter ses engagements et de maintenir l'inflation à un niveau voulu qui se situe aux alentours de 2%. En l'occurrence, cela veut dire que s'il n'y a pas de changement réel dans les perspectives économiques d'ici leur prochaine réunion en janvier, la Banque centrale européenne fera tout son possible pour convaincre l'Allemagne et certains autres pays qui restent toujours réfractaires à l'assouplissement quantitatif. Mario Draghi tient tellement à la cible d'inflation qu'il paraît qu'il va faire tout le possible et imaginable pour l'atteindre, y compris les mesures de relance s'il le faut. En plus, ce qui m'a surpris d'ailleurs, c'est qu'ils se posent pas mal de questions sur l'éventuel effet positif qu'ils peuvent espérer voir après l'introduction de l'assouplissement quantitatif. Tout ça ne suggère qu'une seule chose. Même s'ils hésitent encore, ils sont sur le point de recourir à l'assouplissement quantitatif. Peter, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Chers spectateurs, restez à l'écoute car nous avons beaucoup de mises à jour économiques exclusives à vous présenter.